m'allume le plus dans mon quotidien de chercheur, c'est d'essayer de me placer dans la perspective subjective du sujet humain que j'évalue ou encore qui participe à mes recherches scientifiques. En fait, c'est plus une question d'empathie ou de compréhension de l'autre, c'est plus de tenter de cerner une singularité particulière, de rendre objectif ce qui est subjectif. L'autre point qui m'intéresse vraiment, c'est de mettre en lien le physiologique et le psychologique. En fait, c'est un défi philosophique qui s'impose à notre discipline et qui fait en sorte qu'on doit tenter de réduire, en fait, de moins possible réduire de façon bête une dimension à l'autre. Et finalement, le troisième point, qui est plus un volet appliqué, je dirais, concerne le développement de nouveaux outils, soit d'évaluation, soit de traitement dans le domaine de la santé mentale et plus spécifiquement dans la gestion des comportements violents, et ce pour assurer à la société un mieux-être et un plus haut niveau de sécurité.